Motion Capture 6 est attendu poste 5. Je répète, Motion Capture 6 est attendu poste 5. Moi, j'ai vu une mauvaise projection il y a un peu moins d'une semaine. Et je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Parce que je me dis, j'ai rien compris. Ça va, monsieur Oscar? Céline, il y a des jours où un meurtre par jour, c'est pas assez. C'est une histoire tellement allégorique, symbolique, je sais pas, une espèce de drôle de conte, de drôle de fable, et où tout d'un coup, comment un personnage peut-il conduire ce personnage à ses 10 rendez-vous en une seule journée? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. C'est-à-dire, on est parti de la tribu de la trilogie des Alex, qui étaient des personnages proches d'une réalité des époques 80, des années 80, même en étant chacun différent, dans avec un climat, un statut social différent. Ces trois entités, là, on est passé avec merde, on est passé dans un autre. Dans une autre vision du monde, dans une autre manière plutôt de faire retentir cette vision du monde. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. C'est la façon de vivre aussi de Léos Carax, de vivre à travers ses films aussi. À travers ses films, il acquiert plus de réalité que dans sa vie. Personne n'a fait la besoin d'inventer, de faire des films. Il n'y a plus exactement ce rapport à soi-même, à sa vie, de plus savoir exactement où on se trouve entre le personnage et soi-même et l'acteur, comme ça a été le cas jusqu'au trouble complet, presque jusqu'à la folie dans le tournage des Amants du Pont-Neuf. Là, il y a tellement cette confiance dans l'artifice, dans le déguisement, dans le travestissement poussé jusqu'à l'ultime, jusqu'à la perfection, quoi. Effectivement, on se dit, à l'intérieur de ça, on fait confiance au jeu, à la capacité du comédien à s'émouvoir, à la manière de sculpter, à la manière simplement au rythme, en fait. Parce qu'il est beaucoup question de rythme dans toutes les scènes qu'on a jouées. La vie est meilleure, car dans la vie, il y a l'amour. C'est le rêve de tout le monde d'endosser plein de personnages, de pouvoir se grimer, de mettre des perruques, des costumes. Il y a ce mélange de choses très, très graves, très dramatiques, très ludiques, très, très amour du cinéma muet, du cinéma d'aujourd'hui. Rien ne nous fait sentir plus vivants que la mort des autres. Je me disais, bon, comment je vais aborder ça? C'est monstrueux. Cette pléthore de personnages, je sais pas. Et à un moment donné, je me dis, bon, ça s'est passé très simplement d'abord dans le rapport avec Bernard Floch, le maquilleur, qui j'ai passé beaucoup de temps, forcément. Et je me suis dit, bon, il faut que je sois, que j'ai mon visage, et le reste aussi d'ailleurs, mais d'abord le visage qui soit le plus disponible possible, sans rien, juste lisse et prêt à recevoir tous les postiches, les prothèses et à vivre. À donner vie à un masque, à donner vie à faire exister un personnage là-dessous. Ça m'est pas apparu immédiatement avant le début du tournage, parce que j'étais trop préoccupé comment accomplir cette tâche. Mais pendant le tournage, je me dis, mais en fait, c'est ma vie. C'est-à-dire, c'est. C'est-à-dire, je voyage pas en limousine, et je sais pas que des rôles comme ça, des rencontres avec des femmes merveilleuses. Et quoi que,
Mais c'est quand même ma vie d'être dans cette... dans le jeu, quoi. D'enchaîner des choses et puis d'être dans ce plaisir-là. Et dans cette nécessité-là, personnelle, de pouvoir continuer parce que je sais que j'ai ça. Je vais épouser telle personnalité à travers tel texte ou pouvoir incarner tel personnage, avoir cette expérience. C'est exactement... Oui, ça m'a paru étonnant à quel point ça me racontait aussi, ce film. Ça me racontait ma manière de vivre. Votre vie va changer.